Deux frères, deux années d'écart, deux trajectoires différentes. Si Mathieu a lui opté rapidement pour le vélo, Benoît, quant à lui, avait choisi le foot. Par la suite, l'aîné a ensuite fait son trou en évoluant dans des équipes prestigieuses telles que la Caisse d'épargne aux côtés de Valverde. Benoît a lui gravi les marches plus lentement pour finalement aboutir à son premier contrat pro cette saison. Une dernière année amateur réussie pour le plus jeune qui a fait l'admiration de son frère. Je me disais quand même, là, s'il passe pas pro, je vois pas ce qu'il y a qui va pas, quoi. Là, c'était indiscutable. Je pense même que Stéphane Javallet a dû avoir peur que ce soit une autre équipe qui le prenne, tellement il marchait, quoi. Benoît entend bien profiter de l'expérience de son grand frère afin de progresser au mieux dans le peloton professionnel. Je suis pas aussi fort que lui, j'ai d'autres qualités. De placement, de vélocité et tout, mais je pense en force pure, je suis moins fort que lui, mais par contre on va peut-être se compléter tous les deux, donc voilà quoi. À l'instar des frères Simon, les deux Drujons seront donc tous les deux réunis dans les courses disputées par leur club, Aubert 93, une dualité qui les ravit. Vas-y, tu m'épates de jour en jour, donc continue comme ça et j'ai encore envie d'être épaté. Je t'admire dans ce que tu fais, sur les courses, quoi, puis dans la vie en général. Voilà. Paris 3 sera l'occasion pour les deux frères de courir devant leur public et montrer ainsi leur fierté de courir ensemble cette saison.